Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Chers Players, c'est Yannick et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle qui va vous présenter les deux nouveaux modèles de 3DS, la New 3DS et la New 3DS XL qui sortent en France ce vendredi. Voilà, en fait, je vais vous présenter les deux modèles de console et les comparer à la précédente 3DS XL ainsi qu'à d'autres machines comme la PS Vita, la PSP ou deux modèles de DS classiques. Alors on va commencer tout simplement par la New 3DS Ambassador Edition. Donc ça c'est quelque chose que j'ai reçu il y a quelques semaines déjà, mais que je garde plutôt pour ma collection et que je regrette qu'il n'existe pas le même modèle avec blanc, avec un écran plus grand, parce que j'aime beaucoup le design blanc et le design, on va voir, de la machine. Donc la boîte, elle est petite, sommaire. Et donc voilà, il y a tout à l'intérieur, sauf il n'y a plus de code PIN pour le club Nintendo, parce que celui-ci s'arrête, et c'est bien dommage. Voilà, donc la New 3DS classique, ça c'est une Ambassador Edition, donc il y a marqué Nintendo ici en japonais, puis en occidental ici. Elle se rapproche vraiment de la DSi ou de la DS Lite dans son form factor. Cette édition, elle est exceptionnelle par ses écritures Nintendo. Vraiment, c'est elle est collector. Celle qu'on retrouvera dans le commerce, elle sera toute blanche pour le premier modèle. Une des particularités de la New 3DS, c'est ses coques interchangeables. Donc, j'ai pas vraiment essayé de le faire, mais vous pouvez changer cette partie-là, ainsi que cette partie-là, moyennant le dévissage de deux petites vis. C'est pas super pratique, mais ça permet de personnaliser sa console et on se doute que Nintendo va en vendre des caisses comme les Amiibo. Et les Amiibo qui, justement, sont compatibles avec cette New 3DS parce qu'elle a une puce NFC. D'ailleurs, dans le logo autour du New, c'est les mêmes petits coloris que le logo Amiibo. Voilà. Donc, quand on l'ouvre, ce qu'on remarque immédiatement, ce sont les quatre boutons de couleur qui reprennent le schéma de couleur de la Super Famicom. Donc, un bel hommage à cette console mythique. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, parce qu'on remarque immédiatement une petite excroissance ici. Donc c'est un mini stick droit, va-t-on dire, qui va permettre surtout de bouger la caméra dans certains jeux ou dans Smash Bros, de remplacer le stick C de la manette GameCube pour les adeptes de jeu. C'est vrai que c'est très petit et c'est très rigide. Ça fait un petit peu penser aux souris des ordinateurs des années 90, des ordinateurs portables, les petites souris. Ces petits boutons rouges qui étaient logés au milieu du clavier. Mais à l'usage, là, je viens de passer plus de 2 heures sur Majora's Mask 3D et vraiment, j'ai été bluffé par la précision du truc pour bouger la caméra. J'ai aussi essayé dans Smash Bros et ça répond plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est la principale nouveauté, va-t-on dire. Il y a également, vous voyez, sur la tranche, deux autres boutons. Donc, en plus des L et R classiques, il y a ZL et ZR. Ça permet vraiment de reprendre le schéma de manette, finalement, d'une manette classique, comme il y aurait sur la Wii U, sur la PS4 ou la 360 ou la Xbox One. Donc ça permet d'avoir deux boutons de tranche, en fait. Ce modèle de New 3DS, il est comparable au modèle de 3DS classique. Il est un peu plus fin, l'écran est un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est une nouvelle 3D, une nouvelle technologie de 3D. Il y a un head tracking, donc ça va suivre votre tête. Et la 3D est beaucoup plus stable et plus précise. Et franchement, on le remarque immédiatement. Là, autant, moi, je vous l'avais dit sur ma vidéo bilan des consoles portables, j'ai toujours été un petit peu gêné par la 3D à l'usage. Là, je ne me suis même pas rendu compte que je jouais en 3D tellement que c'était naturel et fluide. Il n'y a pas de décrochage, il y a très peu de dédoublement. Donc, c'est vraiment la technologie de la 3D, elle est enfin mature sur cette New 3DS. Donc voilà, ça c'est le modèle classique qui est en magasin dès vendredi pour entre 150 et 160 euros. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de chargeur avec, il faut le prendre à part. Mais vos chargeurs de New 3DS, de 3DS XL pardon, sont compatibles de 3DS me semble-t-il. Enfin, c'est un petit peu c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils ne vendent plus de chargeurs, mais en tout cas ils sont compatibles avec cette New 3DS. Autre petite nouveauté, le port cartouche se trouve en bas, tout comme le stick, ainsi que le bouton
on-off. Il n'y a plus de possibilité d'éteindre ou d'allumer le Wi-Fi, c'est constamment connecté. Mais la console, elle est quand même plus rapide, que ce soit dans le l'eShop ou dans les menus, on sent qu'elle en a sous le capot, effectivement, elle est censée être plus puissante. Donc ça, c'est la New 3DS classique. Je vais maintenant ouvrir la New 3DS XL, c'est celle dont je vais me servir au quotidien. Je l'ai prise en noir parce que le bleu, je trouvais ça vraiment pas beau. Donc là, voilà, ça c'est la New 3DS XL. Voilà, donc elle reprend vraiment le design de la New 3DS, en fait, avec un peu plus de finesse sur ses finitions. On retrouve donc, comme sur le modèle classique, les deux boutons de tranche, le stick droit, les boutons non pas en couleur, mais les inscriptions sont en couleur, le port cartouche, le port stylet et le on et off. Donc à l'usage, cette console, elle est aussi pratique que la New 3DS, que la 3DS XL, pardon, je vais enfin y arriver. Mais sa principale nouveauté, comme je l'ai dit, c'est vraiment sa 3D qui est impressionnante. Je regrette de ne pas pouvoir vous le montrer parce que ça marche vraiment bien. On a toujours une molette ici, mais qu'on est moins tenté de laisser tout en bas parce qu'enfin ça fonctionne. Donc voilà, j'ai été aussi surpris. Finalement, le transfert des données n'était pas si long. J'ai tout transféré sans fil, ça a été assez rapide. Bien que la procédure ne soit pas très ergonomique, une fois qu'on est lancé, ça m'a pris 1 heure ou 2 alors que j'avais quand même pas mal de jeux sur la console. Donc voilà, au niveau du poids, elle fait le même poids que la New 3DS, non, que la 3DS XL, je n'y arriverai décidément pas. Donc c'est 360 grammes, me semble-t-il. Mais elle est peut-être un peu plus fine et elle est très agréable au toucher, même si elle laisse des traces de doigts. Mais voilà, finalement, en noir, elle est assez élégante. J'aurais encore une fois préféré en blanc. Mais voilà, c'est quand même plus joli que le bleu. Je me demande qui c'est qui choisit les couleurs chez Nintendo. On va un petit peu la comparer avec. Ça, c'est une 3DS XL, une édition Animal Crossing, donc qui appartient à Victoria, ma copine, donc qui est en train de jouer à Bravely Default. Voilà, donc bon, on va pas toucher, sinon je pense que je vais perdre la tête ou peut-être une main. Mais voilà, donc quand les deux consoles sont côte à côte, les deux modèles XL, on voit bien que elles sont vraiment quasiment identiques. À part la couleur, là, forcément, on a des haut-parleurs un peu plus gros, peut-être un peu plus puissants. Le volume qui se trouve aussi à gauche en parallèle avec la molette de 3D. Les molettes, elles sont un peu plus dures pour éviter de les bouger par inadvertance. Les boutons font exactement la même taille. Et le stick est quand même assez bien placé. Ici, les boutons Start et Select reprennent une place sur le côté ici. Voilà. Les boutons, en fait, ces boutons-là qui n'étaient pas super pratiques, ils deviennent en fait plus naturels avec un bouton Home vraiment qu'on n'appuie pas par inadvertance dessus et Start et Select qui reprennent finalement une position plus naturelle. Voilà, donc au niveau de l'écran, moi j'ai pas vu de grande différence hormis la 3D vraiment qui marche. Là, ça marche bien. Si vous aviez des doutes, là, la 3D elle marche nickel. Donc en comparaison, c'est vrai que la 3DS. La New 3DS classique, c'est vrai qu'elle a un écran un peu petit, qui est plus grand que l'écran de la DS, de la 3DS normale, on va dire, un petit peu plus grand. Mais c'est vrai qu'à côté d'une 3DS XL, ça fait un petit peu petit. Voilà. Mais c'est plus léger, plus transportable aussi. On va quand même finir ce petit test par une comparaison par rapport à d'autres machines pour voir. On a ici une C'est un petit peu old school, une DS Lite. Voilà, donc finalement, on se rend compte qu'au niveau des boutons, ils sont revenus à ce qui se faisait sur la DS Lite, par exemple. Là, c'est vrai que ça fait vraiment petit. On a également une DSi, voilà, qui est franchement peut-être le plus beau modèle de DS sorti, à mon sens, qui est vraiment très classe. La matière était très agréable. Et voilà, donc franchement, on reste dans le même esprit, hein, mais c'est vrai que les boutons de couleur, ils amènent vraiment quelque chose. Et en comparaison à la concurrence, on a ici une PlayStation Vita et son superbe écran. Alors, on est très loin de la qualité de l'écran OLED de la PlayStation Vita, mais cet écran-là, il est quand même très agréable. L'écran de la New 3DS, il est vraiment très très agréable. Alors, je pense que ma Vita n'a plus de batterie parce que je m'en sers peu. Voilà, elle est morte, ça c'est clair et net. Mais voilà, donc ça, ce sont les deux nouveaux modèles qui sortent vendredi. Doit-on l'acheter? Clairement, si vous avez déjà une 3DS XL, non. Il n'y a pas vraiment de grande valeur ajoutée. Pour l'instant, il n'y a que Xenoblade Chronicles
qui ne tournera que sur les New 3DS et 3DS XL. Si vous êtes collectionneur Nintendo ou si vous avez une 3DS toute simple, ça peut valoir le coup de passer par exemple sur la grande, parce que l'écran, le grand écran amène quand même un confort de jeu supplémentaire. Pour les autres, si vous avez une 2DS par exemple, c'est vrai que passer à la 3D, ça peut être, c'est quand même un plus, surtout vu comme elle marche bien. Voilà. Mais sinon, si vous êtes content avec votre 3DS ou votre 3DS XL, il n'y a pas vraiment pour l'instant suffisamment de grandes nouveautés, à part la 3D, le stick droit, mais il y a peu de jeux qui l'utilisent pour l'instant. Et évidemment, la compatibilité avec le NFC, qui dit NFC dit Amiibo. Si vous êtes gros fan d'Amiibo, là oui, évidemment, ça peut amener un plus, parce que déjà sur Smash Bros, comme sur Wii U, les Amiibo sont compatibles pour l'instant. Mais il y a encore, pour le moment, pas encore beaucoup de jeux qui les utilisent, et les fonctions des Amiibo pour le jeu vidéo sont relativement limitées. Donc voilà, ça c'est plus pour les collectionneurs, ceux qui n'ont pas encore la machine ou qui ont un modèle classique de 3DS. Mais pour les possesseurs de 3DS XL, pas encore vraiment de grosses nouveautés pour passer à la New 3DS. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo présentation des deux nouvelles machines. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur les deux consoles. N'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve dès ce week-end avec Roman pour une émission spéciale sur la saga Zelda. On va profiter de la sortie de Majora's Mask 3D pour évoquer toute la saga Zelda, tous les jeux emblématiques et les jeux à venir. Et une nouveauté, vous pouvez désormais nous retrouver en podcast sur iTunes et sur tous les lecteurs de podcast. Je vais laisser l'adresse dans la description de la vidéo, parce que c'est vrai que nos débats sont un peu longs et c'est vrai que c'est pratique de pouvoir nous écouter en déplacement. On vous expliquera tout ça plus en détail lors de notre prochaine émission. D'ici là, jouez bien, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.